Yo tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes super bien et on se retrouve enfin pour la suite de nos aventures sur Professeur Layton. Oui, je sais, c'était une grosse pause, mais je vais vous expliquer tout ça. On va y aller et je vais vous expliquer tout ça en chemin. Alors, on devait se rendre au casino. Bah le voilà, le chemin n'était pas très long, je vous expliquerai après. Alors, waouh, c'est ça alors le casino? Je pense qu'il s'agit en effet de l'établissement que nous cherchons. J'ai hâte de le voir de plus près. Bah, on est déjà bien prêt quand même. Hein, là. Bon. Alors. Bonsoir, monsieur. Puis-je voir votre carte de membre? Moi, je suis membre VIP, quoi. Quelle carte de membre? Ce casino est un lieu où se réunissent les gens de la haute société. Pour entrer, il faut montrer sa carte. Nous évitons ainsi que n'entrent des clients indésirables. C'est pas moi, quoi. C'est la première fois que j'entends parler de cela. N'y a-t-il vraiment aucun moyen d'entrer? Votre chapeau me laisse penser que vous êtes un homme respectable, mais cela ne suffit pas. Résolvez cette énigme et je vous laisserai entrer sans carte pour cette fois. Cet homme semble lui aussi très intéressé par votre chapeau. Bien sûr, un haut de forme n'est-il pas l'accessoire grâce auquel on reconnaît un gentleman? Ah là là. Oui, alors, je vais vous raconter un peu ma vie, mais bon, hein, comme ça, vous aurez l'explication. Oui, alors, ça fait un petit moment, en fait, que je cherche à acheter un appart. Voilà, ça y est, j'ai économisé pendant de nombreuses années. Enfin, bref. Et j'ai enfin trouvé, ça y est, j'ai trouvé l'appart de mes rêves. Donc, bah, j'ai été faire la visite, j'ai été faire la contre-visite, j'ai été à la banque pour faire un prêt. Et tout ça m'a pris du temps. Et donc, j'ai pas eu le temps de faire la suite des aventures de Prof Layton. Voilà, mais ça y est, j'ai signé le compromis la semaine dernière, c'est merveilleux. Bon, je suis pas encore propriétaire, mais j'ai signé le compromis, je finalise le prêt avec la banque. Et voilà, dans quelques mois, je déménage, les enfants. Je vais enfin avoir mon chez-moi. C'est trop bien, je suis trop contente. Enfin bref, je fais un pas, ouais, vous savez, j'entre dans la partie où tu sens que t'as vieilli, tu vois. Tu sens que t'as vieilli, tu vois, quand t'as ton permis, mais c'est cool, t'as ton permis. Après, tu sens que t'as vieilli quand t'as ta première fiche de paye. Et après, quand t'achètes ton appart et que tu te retrouves devant la banquière qui te parle de taux d'intérêt pour ton emprunt et que tu comprends rien. C'est la première fois, tu te dis, oh mon dieu, j'ai tellement vieilli. Et voilà. Donc, je vais pas déménager tout de suite, hein. Je vais déménager dans quelques mois, mais ça y est, je vais avoir mon appart. Et je vais avoir la fibre, les enfants! C'est plus... Ça va être merveilleux. Je vais avoir la fibre. Et ça va être cool pour vous comme pour moi. Déjà pour moi, parce que je suis pas patiente. Et de deux, c'est parce qu'en fait, les vidéos comme Tomb Raider que j'ai fait, ou Ghost of the Tale, que j'ai pas pris le temps de continuer parce que j'ai pas eu le temps. Faut que je le continue aussi. Ça me prend à faire, ça me prend un peu de temps. À les monter, ça me prend un peu plus de temps. Et à les mettre en ligne avec mon internet actuel, ça me prend entre un jour et demi et deux jours. Ce qui est énorme. Parce que bon, voilà. Et donc avec la fibre, ça va tellement être bien. Bon, enfin bref, j'arrête de parler parce que là, ça fait déjà bientôt 4-5 minutes que l'épisode est commencé. On n'a rien fait. Hein. On a vu un écran, on a parlé à un mec et on n'a même pas résolu l'énigme. Alors, j'arrête de parler. Alors, cette peinture représente deux joueurs, ouais, s'affrontant lors d'une partie de cartes acharnée. À première vue, il n'y a rien d'étrange. Mais certaines personnes font la remarque suivante la voyant. Si la partie est à ce point disputée, ce détail est plutôt curieux. Entourez le détail qui interpelle les spectateurs, puis confirmez votre réponse en touchant « Valider ». Alors, le détail... Je me souviens de cette énigme. Je me souviens de cette énigme parce que... Ouais, c'est ça. Je me souviens que c'était un truc avec les cartes. Parce que j'étais restée coincée dessus un moment à l'époque. Et ça m'avait marqué. Un truc avec les cartes. Alors, c'est pas les bonbons. Lui, il a un as. Là, il y a des cartes. Les cartes du mec. C'est quoi le problème avec les cartes du mec? Ah, la façon dont il les tient. Parce que là, je suis en train de me dire, on les voit super bien, mais en fait, de son côté... Ouais, c'est ça. Moi, je vais faire un beau cercle. Pour moi, c'est ça. Je pense que c'est ça. Oui, je suis confiant. C'est ça, il sourit. On va voir l'explication scientifique.
Je me réjouis d'avoir résolu cette énigme. Mais moi aussi, je m'en réjouis. Bonne réponse. Je veux avoir des cartes indiquées dans le coin supérieur gauche. Ah, ok. Ouais, j'avais pas vu. Donc, s'il les tient comme ça, il voit pas. Oh, ok. Je sais bien que c'est un truc avec les cartes. Le joueur de droite risque d'avoir un peu du mal à identifier. Qui remarquerait ça dans un tableau, sans déconner? Enfin bref. Vous êtes un véritable expert en matière d'énigmes, monsieur. On va dire que j'ai une bonne mémoire, ouais. Vous avez prouvé que vous étiez digne d'entrer dans notre établissement. Bienvenue au casino. Regardez ces fontaines et ces lustres! Cet endroit a dû coûter une fortune. Luc, je sais que cet endroit te fascine, mais essaie de ne pas parler trop fort. Désolé, monsieur, ce piano est tellement impressionnant. Mon Dieu, je serais énorme, mec. Des tas qui me perturbent, c'est comme ça. Tu as raison, il est également immense. Trouver ton alter ego risque de s'avérer difficile. Bah, s'il s'habille comme Luc, non. Ah, cinématique. Chut. C'est donc toi. C'est le futur moi? Je suis très heureux de vous voir, professeur. Mais en Waouh. fait, je devrais plutôt dire très heureux de vous revoir. Il a la C'est classe. bien moi, Luc Triton. Ah, il a la classe. Bonjour, Luc. Bonjour, professeur. Oh, ce n'est pas à moi que vous parliez. Je vais avoir du mal à m'y faire. Je n'arrive pas à croire que j'étais aussi petit. Hé, je ne suis pas si petit que ça. Dis-moi, pourquoi t'es-tu donné tant de mal pour nous faire venir jusqu'ici? Je vais tout vous expliquer dans un instant. Cependant, j'aimerais d'abord m'assurer que j'ai affaire au véritable professeur Letton. T'inquiète. Comment? Mais qui d'autre pourrais-je bien être? Je maîtrise. Laissez-moi m'expliquer. Dans le Londres actuel, tout le monde ou presque connaît le nom d'Herschel Letton. Récemment, plusieurs imposteurs se sont même fait passer pour lui. Ah, d'où le chapeau. Es-tu en train de dire que le professeur à côté de moi est un imposteur? Professeur, repensez à nos aventures. Vous vous souvenez sans doute d'un certain Don Paolo. Ah oh oui, comment l'oublier? J'adore Don Paolo. Comme vous le savez, il était passé maître dans l'art du déguisement. Il me faut donc être certain que l'homme qui se tient devant moi n'est pas Don Paolo déguisé. Tu dis vraiment n'importe quoi! Vraiment. Il nous a déjà piégés par le passé. Qui te dit qu'il ne peut pas recommencer? Très bien, je comprends ta méfiance. Que proposes-tu pour que je te prouve mon identité? Eh bien, c'est très simple. Professeur, je vous propose un duel d'énigmes. Et c'est l'heure du duel! C'est parti! Qu'est-ce que tu as en tête? Vous êtes un homme prudent, vous devez donc également avoir des doutes quant à mon identité. Pour que nous puissions tous les deux prouver qui nous sommes, je vous propose un duel d'énigmes. J'ai l'énigme que seul quelqu'un d'aussi perspicace que le professeur pourrait résoudre. Si vous trouvez la solution, vous pourrez à votre tour me soumettre une énigme. Je ne devrais avoir aucun problème à la résoudre si je suis bien celui que je prétends être. Commençons. Quatre cartes sont placées dans un ordre qui répond à plusieurs conditions. Les voici. Premièrement, il y a un cœur à côté d'un carreau. Deuxièmement, il n'y a pas de trèfle à côté d'un pique. Enfin, il y a un cœur immédiatement à droite d'un trèfle. En respectant ces conditions, je vous demande de me dire où est caché le pique. Trouvez le pique! Il y a quatre cartes sur la table. Ouais, effectivement, ouais. On va prendre les notes. Alors, les notes, les notes, les notes. Il y a un cœur à côté d'un carreau. Il n'y a pas de trèfle à côté d'un pique. Il y a un cœur immédiatement à droite d'un trèfle. Alors. Donc, si je mets un cœur ici. À droite, donc là, il y a un trèfle. Ouais, c'est un trèfle, hein. C'est très beau, très beau, très beau, très beau, très beau trèfle. Alors, un cœur, un trèfle.
Un chaos. Il n'y a pas de trèfle à côté d'un pic. Non, ça c'est un pic. Je sais pas dessiner les pics, les carreaux. Hop, voilà, vous avez rien vu. En fait, c'était un carreau. Je sais plus comment ça se fait. Et les pics, là, les pics, c'est comme ça. Les carreaux, je sais plus. J'ai un doute. Je joue pas souvent en cartes. Mais c'est ça, donc là, ça fait pic. Pique, carreau, cœur, trèfle, c'est ça, il n'y a pas d'autre choix. Il y a un cœur à côté d'un carreau, ouais, il n'y a pas de trèfle à côté d'un pique, ouais, il y a un cœur immédiatement dans... Ok, c'est ça. Donc le pique est là. Oui, en plaçant le pique à cet endroit, vous obtenez la bonne réponse. Bravo, professeur. Ok, en fait, le pique, c'était comme ça. On n'a rien vu, vous n'avez rien vu, je sais plus dessiner les piques. Bon, c'est bon. Oui, le carreau et le pique. Oui, bon, bah ça va. Avec grand plaisir. En même temps, à chaque fois que je joue aux cartes, je joue avec des cartes spéciales, vous voyez. Enfin, bref. Bref, je vais rien dire, hein, je suis nulle. J'ai apprécié ton énigme, donc si tu es d'accord, je vais t'en proposer une sur le même principe. Voici les conditions à remplir pour placer mes quatre cartes. Il y a un trèfle immédiatement à droite d'un cœur. Il y a un cœur à côté d'un carreau. Ce dernier est placé tout à droite ou tout à gauche. Enfin, un trèfle est placé lui aussi tout à droite ou tout à gauche. Es-tu capable de trouver le pic en respectant les conditions que je viens de donner? C'est moi aussi qui vais la résoudre. Ok, c'est moi aussi qui vais la résoudre. Ok, c'est moi qui fais tout le boulot en fait, hein. Enfin, bref! Il y a quatre cartes sur la table. Oui, jusque-là, on est d'accord. Il y a un trèfle immédiatement à droite. C'est-à-dire que si je clique sur continue, il répond tout seul. Bah oui, je peux pas sélectionner. Bon, bah en fait, je lis l'énigme et puis voilà. Il y a un trèfle immédiatement à droite d'un cœur, il y a un cœur à côté d'un carreau, ça n'est pas si de... Ah oui, il joue tout seul. Bon, j'ai été médisante, je suis vraiment désolée. Vous avez failli me piéger, professeur. Mais comme vous le savez, cette énigme ne peut pas être résolue. Ah, vraiment. J'ai essayé plusieurs solutions, mais aucune ne respectait les conditions données. Tiens donc. Dis-moi, est-ce que j'ai mentionné que les quatre cartes étaient toutes de couleurs différentes? Vous voulez dire qu'il n'y a pas de pique? Exactement, c'est une question piège, mais elle soulève un problème intéressant. Dans ton énigme, tu avais omis de préciser qu'aucune des cartes n'était de la même couleur. Lorsqu'une telle information est oubliée, l'énigme peut devenir insoluble. Mais un tel oubli peut également permettre de découvrir d'autres solutions. Tu m'as proposé intentionnellement une énigme qui, en fait, était incomplète. C'était cela le véritable test. Tu voulais savoir si je m'en apercevrais, n'est-ce pas? Eh bien, professeur, il semble que je n'ai pas affaire à un imposteur, finalement. Ok. Tu n'as donc plus de doute sur mon identité à présent? À vrai dire, je savais dès le départ que c'était bien vous. Ouais, alors? Mais je n'ai pas résisté à l'envie d'affronter mon mentor dans un duel d'énigmes. Ok. C'est le genre de Sangoku, quoi. Mon Dieu, cet ennemi est puissant. Mais je ne vais pas donner mon maximum pour m'amuser. C'est trop ça. Je vais même le soigner, comme ça il sera en pleine forme pour que ça fasse encore un plus beau combat. Comment ça l'intérêt en jeu? Oh là Eh là. bien, j'imagine que je dois le prendre comme un compliment. Ouais. Maintenant, dis-nous pourquoi tu nous as fait venir ici. Il y a trop de... Allez, parle plus, c'est à moi de parler quoi. Il y a trop de gens qui nous épient ici. Il y a un débarras dans le fond, suivez-moi. Généralement, quand quelqu'un vous propose que vous venez à peine de rencontrer, d'aller dans un débarras ou une ruelle, ça pue la merde. N'y allez pas. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Alors, bah, on a résolu l'énigme de Luc. Luc, adulte. Ce jeune homme est l'alter ego de Luc, qui vit 10 ans dans le futur. Il a écrit une lettre à son ancien mentor afin de lui demander son aide. Voilà. Ah non, bon, pour le moment, y a rien. Cette machine ne doit plus fonctionner depuis longtemps. Quand je vois des trucs comme ça, j'ai envie de cliquer dessus, partout. Il n'y a pas de pièces... Ah, voilà, je me disais bien aussi. Attends, un débarras comme ça, il n'y a pas une ou deux pièces qui traînent. Ça sert à rien.
Alors, je pense avoir trouvé toutes les pièces. Mon Dieu, mais c'est sale ici. Là? Non, il n'y a pas de pièces là-haut. Putain, j'aurais pourtant juré. Ah, bon. Allez, parlons. Bonjour, Luc. Professeur Layton, Luc, soyez les bienvenus dans le Londres du futur. Vous n'êtes toujours pas convaincu. Vous avez bien rencontré le docteur Schroeder, n'est-ce pas? Oui. Vous avez dû remarquer qu'il avait bien vieilli. Oui, cela semble être le cas. Et que pensez-vous de Londres? Vous avez sûrement eu le temps de voir que la ville avait bien changé. Qui aurait pu imaginer à votre époque qu'il y aurait un jour un casino dans ce quartier paisible? Tout est tellement différent. Qu'est-il arrivé? Un génie est apparu. Un génie malfaisant qui a complètement transformé la ville. Oh, je crois que je vois où tu vas en venir. Don Paolo a pris le contrôle de la ville, c'est ça? Don Paolo? Don Paolo chéri, le voilà. Je l'adore, il est tellement énorme. Bon. Oh non, je ne parle d'un homme vraiment brillant. Oh, comment il le dénigre. Don Paolo est brillant, il est juste un peu très beaucoup fou sur les bords, c'est tout. Quelqu'un que nous connaissons très bien tous les trois. Eh bien, si ce n'est pas Don Paolo, qui cela peut-il bien être? Tant, non, non. Qu'en pensez-vous, professeur? Je ne sais pas quoi penser. Je savais que vous me répondriez cela. Qui est-ce? Il faut nous le dire, maintenant. Son nom est Herschel Layton, ce génie malfaisant. C'est vous, professeur. Quoi? J'en avais bien peur. Mais c'est impossible! Hélas, c'est la vérité. Les gens l'appellent le démon aux hautes formes et il règne sur la ville d'une main de fer. C'est de notoriété publique à Londres. Donc, c'est Letton le méchant. Non, mon Letton! Le Londres du futur est entre les mains d'un Letton maléfique. La seule vue du professeur qui ressemble à s'y méprendre à son alter ego du futur suffit à terroriser les habitants de la ville. Non! Dis-nous en plus, Luc. Vous en dire plus? Mais je n'en sais pas plus que vous, professeur. Non, je m'adressais à l'autre Luc. Cette situation est un peu compliquée. Dis-moi, Luc, comment suis-je arrivé à régner sur la ville entière? Par où commencer? Tenez, professeur, vous vous souvenez de ceci, non? La machine avait dans le tank et il va pas très bien marcher. Bien sûr, c'est un article à propos de l'accident qui s'est produit l'autre jour. Ah, oui, pour vous, c'était l'autre jour. Mais ici, 10 ans se sont écoulés depuis ce jour terrible. Ah. Ce fut une période très sombre pour la ville de Londres. Le premier ministre avait disparu et c'était le chaos au Parlement. Oui, tout le monde panique au Parlement en ce moment. Enfin, à notre époque. Professeur, vous étiez vous-même témoin de l'accident qui allait à jamais changer Londres. Cette présentation fut un fiasco total. Oui, le Premier ministre et ce scientifique. Vous parlez du docteur Strangham? Exactement, plusieurs personnes, eux y compris, ont disparu dans l'accident. Il semble qu'ils aient été victimes du souffle de l'explosion. Il me semble avoir lu que certains assistants du docteur Strangham avaient aussi disparu. C'est ce que disent les journaux, mais si je vous disais que le docteur Strangham est toujours en vie? C'est impossible! Et pourtant, c'est la vérité. Le docteur Strangham a survécu à l'explosion. Il a décidé de se cacher. Il savait qu'il serait considéré comme responsable de cette catastrophe. Tu m'étonnes. Eh bien, c'est à cause de lui que l'homme le plus important du pays a disparu. À la recherche d'un abri, le docteur Strangham a fini par trouver un allié inattendu. Vous, professeur. Moi? Mais pourquoi aiderais-je un homme coupable d'avoir semé un tel chaos? C'est précisément ce que je me suis demandé. Le Dark Layton. Durant les mois qui ont suivi l'accident, vous êtes montré de plus en plus distant. Vous êtes même lié d'amitié avec des figures importantes du milieu criminel, carrément. Gangster, professeur Layton.
Le professeur ne ferait jamais ça. N'en suis pas si sûre. Le temps change parfois les gens, Luc. Il était évident que vous étiez fasciné par les recherches du docteur Stangen, professeur. Vous parlez tout le temps de voyage dans le temps. L'idée de changer le passé vous obsédait. Changer le passé? Le docteur Stangen voulait continuer ses recherches, mais il avait besoin d'argent. Vous avez donc utilisé vos facultés intellectuelles afin de prendre le contrôle des bas-fonds londoniens. Impensable. Bien sûr, certains ont essayé de vous arrêter, mais aucun n'était de taille à rivaliser avec vous. Toutes les activités douteuses que vous meniez vous ont permis d'accumuler une petite fortune. Grâce à cet argent, le docteur Stangen, faut qu'il arrête de dire docteur Stangen, ça me saoule, a pu rapidement terminer sa machine à voyager dans le temps. Ainsi, tu affirmes qu'il a terminé sa machine? Oui, il s'agit de celle qui se trouve dans l'horlogerie de Milan Road. Enfin, je ne devrais pas dire qu'il a terminé, car elle n'est pas tout à fait au point. C'est-à-dire? On ne peut pas choisir sa destination, ni l'époque à laquelle on réapparaît. Cette machine permet uniquement de créer un tunnel entre deux époques. Une sorte de vortex? Tout à fait, et par le plus grand des hasards, un passage entre votre époque et la mienne s'est ouvert dans l'horlogerie. C'est ce qui nous permet de voyager entre nos deux époques. C'est donc grâce à cela que tu as pu nous faire parvenir ton message et nous amener ici. Mais quelque chose me tracasse. Ce vortex doit être très important pour le Luc, pour le futur Layton. Il doit donc surveiller cet endroit de près. Comment es-tu parvenu à y avoir accès? J'y viendrai plus tard. Laissez-moi d'abord vous donner les informations les plus importantes. Je t'écoute, explique-nous pourquoi tu nous as fait venir ici. Décidément, vous n'avez pas changé. Vous avez toujours un train d'avance sur moi. Je vous ai fait venir pour que vous m'aidiez à déjouer les plans du Herschel Layton du futur. Tu veux que j'arrête mon alter ego? Le Layton du futur est en passe de disposer d'une machine à voyager dans le temps opérationnelle. Il est retourné dans le passé afin de réunir les meilleurs spécialistes du voyage dans le temps. Mais pourquoi revenir dans le passé pour les trouver? Il doit y en avoir plein dans ton époque. En fait, la plupart de ces experts ont disparu lors de la tragique présentation du Dr. Stangen. Pour les réunir, Layton n'avait donc d'autre choix que de voyager dans le passé avant l'explosion. La situation est très grave. Si Layton réussit à construire une machine à voyager dans le temps, au fonctionnel, ce sera le chaos. Il faut l'arrêter avant qu'il ne mette son plan à exécution. Le seul qui en soit capable, c'est... Vous! C'est moi. C'est bien ce que tu allais dire, n'est-ce pas? Exactement. Au grand mot, les grands remèdes. Vous êtes le seul à pouvoir l'arrêter. Tu sais pourtant que je ne connais pas ton époque et que je ne sais pas où le trouver. Ah. Note 32. Désolé. Vous allez l'avoir affiché devant l'écran vu que je filme mon écran. Bon, bah voilà. Ça, c'est fait. Putain, avec cet année d'antivirus, c'est toujours là qu'on n'a pas besoin de lui. Tu sais pourtant que je ne connais pas ton époque et que je ne sais pas où le trouver. C'est un obstacle que je vous aiderai à surmonter. Le Layton du futur agit toujours en secret. Cependant, tout le monde ici sait où se trouve son quartier général. Nous pouvons commencer nos recherches là-bas. Tu veux dire que son quartier général ne se trouve pas dans ce casino? Non, pour lui, le casino n'est qu'un moyen parmi d'autres de financer ses recherches. Son quartier général se trouve au cœur de Chinatown. Alors allons-y et voyons si nous pouvons en apprendre plus. Luc, il faut que je te dise qu'il y a toujours des éléments que je trouve pour le moins suspects. Il reste encore des zones d'ombre. Le seul moyen d'éclaircir tout cela est de rencontrer mon alter ego. Je me doutais bien que mes explications ne suffiraient pas à vous convaincre, professeur. Hé, ne m'oubliez pas, je viens avec vous. Bien sûr que tu viens. Sur qui pourrais-je compter si je ne comptais pas sur moi-même? Cette phrase est géniale. Ça me fait toujours bizarre de penser que tu es moi. J'en ai la tête qui tourne. Eh bien, j'espère que tu vas t'y habituer. Je vais avoir besoin de ton aide. Oh, il y a quelque chose que vous devriez savoir, professeur. Oui. Je n'ai trouvé aucun document officiel mentionnant le nom du docteur Stangen. C'est un pseudonyme. Intéressant. Qui qu'il soit, il a fait de son mieux pour cacher son identité au jour présent lors de la présentation. Il est vrai que peu de gens semblent le connaître. Mais pourquoi tenait-il à utiliser un faux nom? Qu'avait-il en tête? C'est encore un mystère que nous parviendrons à élucider. Enfin, je l'espère.
C'est vraiment étrange. À quoi pensez-vous, professeur? Nous en discuterons en chemin. Pour l'instant, nous devons retourner vers Flastone Street. J'ai beaucoup parlé, j'ai... Je suis morte. Trop d'énigmes. Alors, une lettre étrange. L'alter ego de Luke a utilisé une machine à voyager dans le temps pour envoyer cette lettre dans le passé. Dans son message, il a demandé de l'aide à son ancien mentor, le professeur Layton, afin de sauver la ville de Londres, plongée dans le chaos. Les individus portant des vêtements sombres sont membres du clan, un gang contrôlé par le Layton du futur qui règne sur la pègre de Londres. Alors, l'autre Layton. Le Herschel Layton du futur est un criminel de haut rang qui terrorise Londres. Avec sa bande de gangsters, connue sous le nom du démon au haut de forme. Comment ce parfait gentleman a-t-il pu devenir un tel monstre? Le docteur Stungen, Alan Stungen, est le scientifique qui a dévoilé la machine à voyager dans le temps lors de la présentation. Il n'existe toutefois pas de scientifique portant ce nom. Ce doit être un faux nom qu'il utilise pour cacher son identité. Qui peut-il bien être? Ok, alors. Allons-y. Hall du casino. Ah, vous voilà, patron! Bonjour. Oh non! Pourquoi vous portez le même chapeau que le patron? Vous trouvez ça drôle, peut-être? Je sens les ennuis. C'est une effroyable méprise. D'ailleurs, si je vous avais déjà vu dans le casino, je m'en souviendrais. Il ressemble à un orang-outan. Avec une moustache. Eh bien, il faut dire que nous n'avons que rarement l'occasion de venir dans votre établissement. Vous sentez les ennuis arriver? Moi, je sens les ennuis arriver. C'est bien joli tout ça, mais vous allez devoir m'accompagner et répondre à quelques questions. Ah! Professeur, fuyez vite! Oh, cette clacasse! Non, pas mon lit! Pas mon Luc! Je vais dire Link. Oh, je t'ai non. perturbé. Non, pas moi! Vite, par ici! Il y en a même un qui a le chapeau de Professeur Layton. Oula, oula, oui! Rattrapez-les, c'est tirer les dessus en gros. Ils vont pas de main morte, hein. Tu m'expliques comment ils rattrapent les gens en tirant sur tout et n'importe quoi? Nous sommes cernés, professeur! J'ai une idée, Luc. Ne t'inquiète pas. Vous avez un plan, professeur? J'en ai un, mais j'aurais besoin de toi. Oula, c'est quoi ce plan? Une énigme, faut à volonté. On va faire un gun, on va tirer sur les gens. Ah. Aider le professeur à respoter en fabriquant un canon à jetons. Oh, la déception. Moi, je pensais qu'on allait faire un gun. Bon, c'est pas mal, c'est mieux que rien. C'est vrai que professeur Layton ne peut pas tuer les gens, ça serait pas bien. Eh, partir des pièces détachées de cette machine à souffle et pivoter les pièces, blablabla. Ah, du nerf, oui. Alors, déjà, ça c'est le canon. Attendez, je vais essayer. Là, j'ai extrêmement du mal avec. Touk. Ça, j'imagine. Ah, putain, non, voilà. Tac. Ça, c'est pour remplir, donc ça va ici. Clac. Ça me paraît bien ici. Et après, le reste... Voilà. Cette solution me paraît envisageable. Oui, moi aussi. Correct. Voilà une bonne chose de faite. Leur rendre la monnaie de leur pièce. Ça, c'est parti.
Je n'aurais dit qu'il allait faire un rayon laser sans déconner. Ouais, prenez ça! Ah, il a la classe! C'est quoi, c'est un. Ah, c'est un faux truc ce truc! Ah non! Eh bien, nous avons eu chaud. Quel poltron! On leur a donné une bonne leçon! C'est drôle, moi je ne t'ai pas vu participer. Bah, tu et moi, de ce fait, on peut dire que j'ai participé. Ah oui, voyez-vous ça. C'est logique, d'une certaine manière. Oui, je veux sauvegarder ma progression. Chapitre 3, bah c'est parfait. On va s'arrêter là. Un futur énigmatique. Alors, Monsieur Triton, où est-ce que vous nous emmenez? Luc, je t'en supplie, inutile d'être aussi cérémonieux. Oublie le Monsieur Triton. Se parler à soi-même est déjà une expérience suffisamment étrange. C'est étrange pour moi aussi, mais comment veux-tu que je t'appelle alors? Je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas vous appeler tous les deux Luc. S'il faut vraiment vous différencier, tu seras le petit Luc et toi le grand Luc. Je ne suis pas sûre d'aimer être appelé petit Luc, mais j'imagine que ça évitera les confusions. On fera comme vous voulez, professeur. Enchanté, petit Luc. Souhaitez-le tout le plaisir et pour moi, grand Luc. Alors où en étions-nous? Ah oui, il y a une chose que j'aimerais vérifier. Professeur, venant au casino, vous avez vu le restaurant situé sous les arcades. S'agit-il du restaurant situé au sud du passage? Absolument. Nous allons nous y rendre. Un de mes amis nous y attend. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu. Et moi, je vous dis ciao tout le monde. Portez-vous bien. Profitez du soleil parce que l'été arrive. Et bye bye.